Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser un lassi à la banane facilement et rapidement. Je vous explique tout ça étape par étape. Donc là les amis, comme ingrédient pour une personne, donc j'ai pris une banane, un yaourt nature, du sucre pour le goût, un verre de lait et en option si vous voulez vous pouvez prendre une petite pincée de cardamome en poudre. Donc pour commencer, je découpe donc la banane en tranches ou en petits morceaux, c'est comme vous voulez. Hop. Hop, 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 hop. Voilà comme ça. Donc je vais venir mettre donc les morceaux de banane dans le blender tranquillement. Hop, hop. Franchement, après la quantité, plus de banane, plus de lait, c'est à vous de gérer. Il n'y a pas vraiment de quantité. Donc dans la foulée, donc je viens mettre le sucre. Le yaourt nature, hop, comme ça, voilà. Et aussi l'équivalent d'un verre de lait, comme ça. Voir un peu plus, voilà, comme ça. Donc, moi, perso, je ne mets pas de cardamome en poudre, parce que les enfants, ils n'aiment pas trop ça. Sinon, vous avez la possibilité. Donc, je vais bien mixer le tout pendant 2 minutes. Voilà, voilà le travail, les amis. Après, concernant la texture, si vous voulez quelque chose de plus épais, vous mettez 2 yaourts ou un peu plus de banane et moins de lait. Franchement, c'est à vous de gérer. Yep. Dans un petit verre tranquille, là. Voilà, pile poil. Voilà le travail, les amis. Admirez ça de près. Bap, 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 bap. Yes. Les amis, le super lassi, ça sent la banane, normal. Aïe, 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 aïe. Ah, franchement, ça déchire. Après, vous avez la possibilité de mettre des glaçons dedans. Par contre, n'oubliez pas de laisser au moins une petite heure au frigo. La texture, franchement, l'épaisseur du lassi, c'est ça qui donne le goût. Le lassi doit être légèrement épais. Franchement, les amis, j'ai envie de vider le pot, mais il est quand même balèze. Donc, pour cet été, quand il va faire chaud et tout, là, franchement, c'est une super recette facile et pas chère. Donc voilà, si vous avez aimé la recette, un petit pouce bleu. Franchement, testez et mettez un petit mot dans le commentaire comment vous avez trouvé la recette et tout. Et puis, partagez, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.